Salut, je suis le général Franco. Sachez que nous qui avons la ligne directe du chef de l'État, on a écrit. Ouais, venez. Bonjour, qu'on se fait. Il y a de nouveaux dossiers. On y va. Mes chers amis, l'heure est grave. Ah bon? Comment ça? Vous le savez certainement, depuis hier, il y a une liste qui circule sur les réseaux sociaux. La liste est sortie hier. Il y a mon nom dans cette liste. Il n'y a pas ton nom. Et pour Yoda? Il n'y a pas ton nom, Yoda. Donc j'ai encore chaud le bar pour la deuxième fois. Tu te demandais pourquoi ton nom n'est pas sorti? Non, non. Il y a des gens qui sont même fâchés parce que leur nom n'est pas sur cette liste. Comment ça? Moi, je comprends rien. Ah bon? Donnez un peu la liste à la voix. C'est quoi cette affaire-ci? Je comprends pas. Mais ça va péter. Vous attendez? Vous allez fouiller. Ok, on y va. Quelle honte. Je te dis que... L'autre qui fait là, au président, moi, Chanta, Chagou, quoi, Faras, quoi, chercher, c'est le même quoi. Qui ça? Un électrophone de 1956, qui n'a plus de pile. Comment ça? Moi, je comprends rien. Eh, qui? Tu dis qu'il parle comment? Oh, moi, je suis en train de manger bien ici au pays. Non, ça va, on connaît déjà le concerné. Continuons avec la liste. De voir le nom de... Réon Tchoumi, qu'est-ce que tu cherches ici? Point d'interro, gaffe. Hey! C'est quoi? Voilà le père ici. Qui ça? Enfin, il va construire, il va finir sa maison. Ah? Qui ça? Moi aussi, trouver le cirage pour ses chaussures. Allez, ouais. Maman, allez! Hein? Qui? Diable donné et soba. Qui? Diable donné et soba. Grand, tu dis? Dieu donné et soba. Mon frère. Tous les gens qui portent finalement le prénom de Dieu donné là. C'est diabolique! Parce que vous aimez voir avec les yeux. Continue. Bah, oh, qui sont bien, moi, je t'applaudis. Pourquoi? Parce que tu as pris, tu as mangé, tu as fermé la bouche. Ah, quoi? Ça, c'est quel pays? Normalement, on devait te jeter même dans la mer ou même dans le désert. Voilà, avant de continuer, je rends un grand hommage à l'armée camerounaise qui célèbre le fête demain, le 13 février 2023. Ouais, ça, c'est très bien. Particulièrement au contingent 2017 de la gendarmerie. Sous la demande des gendarmes au niveau du contrôle de BAM. J'ai cité le gendarme Kolo Daniel, le gendarme Veradi, le gendarme Mungé Chariki, le gendarme Kab Emmanuel et le gendarme-major Nap Moussi Jacky. Okay. Mes félicitations encore pour cette sécurité que vous mettez dans notre cher et beau pays. Bonne fête. On a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. Un tonnerre d'applaudissements pour l'armée en général. Non, c'est mou. Comme une vieille mes bamies. Non, ça va, grand-mère. Et voyons avec la liste. Une libellule. On l'appelle étoile de quoi là. Waouh, le père se nous perd le temps. Qui peut rapidement nous donner la liste là? Alors, nous avons président Tchafak Jonas, Elimbi Loubé, Auréole Tchoumi, Dieudonné et Somba, Raoul Christophe Mbia, le fameux reporter, Mathieu Ekon, Martial Ouna, Étienne Mbala, Major AC, Étoile Cribienne. On va le juger. Cabrel Nangip, Diane Bouly, Mayol Francine, Monsieur Chantal, Muriel Blanche, Marcel Cuitier. C'est ce traître. Azo mérité Pandazo. Sik Dengue, Fingon Tralala, Laure Mouaminga, Mimi, Coco Emilia et enfin Nathalie Koua. Merci ma chérie Valcero, comment tu trouves cette liste? Il y a des gens qui se sont battus, qui ont mouillé le maillot, qui ont fait des pompes, qui ont même demandé avant. Ils ne sont pas sur cette liste. Donc c'est une fausse liste. Le phénomène des listes, ça s'appelle aussi indexer les gens. Waouh, Valcero, toujours un doshi dans ma tête. La liste est vraie ou fausse? Parce que si la liste est vraie, ça veut dire que même quand vous dites que vous ne faites pas de politique, quand on vous paye l'argent derrière, vous prenez cet argent pour aller faire la politique. C'est vrai. Ça fait mal. Ça va me laisser, Seigneur. Ce n'est pas possible. Si cette liste n'est pas vraie, vous comprenez donc qu'il y a... Il y a un souci, votre position de artiste à politique, vous devez arrêter ça. Le peuple attend de vous plus que ça. Le peuple attend de vous de la sincérité. Tonton Gepoint, Vassou dit quel est le nom qui manque sur cette liste. Ouais, ça me fait quand même mal. Hein. Tu es même sûr que tu as cité tous les noms? Je ne vais pas donner tous les noms. Quitte là! Mais ça, c'est quel genre d'homme, ça? Mon général Vassero, il y a le nom du petit qui t'avait un peu provoqué un temps là. Tu vois, non, mon petit tigre. Petit crétin. Mon petit, t'avais dit de partir à l'école de la communication. Tu vas pas suivre comme ça, c'est dans le pingouin sur internet, mon petit ting-dingue. Mon refait.
Papa, sa tête là, te rappelle quelque chose? Je l'avais vu avec sa tête là, comme ça, là, comme le spermatozoïde. C'est bon, ça, je ne savais pas, j'écoutais souvent tes choses là. J'ai regardé que c'est Tigre Ndanga qui est en train de. Le monde, j'ai compris que tout le monde va devenir fou au Cameroun. C'est comme s'il devient vraiment fou, hein? Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Oh bro, calme-toi, c'est quoi? Tout ça c'est les manga, hein? Seigneur! Voilà! Je savais! Tu vas lire, mon ami. Tindengue, il faut appeler ceux qui ont la ligne directe du chef de l'État pour ta situation là. Sachez que nous qui avons la ligne directe du chef de l'État. Petit menteur. Oh, calme-toi. Est-ce qu'il ment alors? Je remercie tous ceux qui disent qu'ils ont le contact direct du chef de l'État. Tu les remercies pourquoi? L'appeler, pardon, pour dire que nous sommes comme ça là, nous sommes qu'on veut enlever la honte sur nous. Quelle honte tu veux enlever sur toi, papa? On ne veut plus marcher en route comme ça avec le maillot camerounais, avec le drapeau camerounais. On dit, oh, camerounais, regardez ce qui se passe chez vous. Par exemple? Appeler le chef de l'État pour lui dire que les prix des denrées alimentaires et à la hausse sur le marché. Les détournements de fonds publics ne nous permettent pas de respirer dans notre propre pays. Comment ça? Ça ne nous permet pas d'avoir de l'eau. Ça ne nous permet pas d'avoir de l'énergie. Ça ne nous permet pas d'avoir des routes. Appelez le chef de l'État pour lui dire. Mon ami, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Aidez-moi seulement à retrouver l'auteur de la fameuse phrase. Laquelle? Si Yaoundé respire, c'est que le Cameroun vit. Je ne veux pas deux choses. Et tu le cherches pourquoi? Parce qu'il faut qu'on essaie de regarder ensemble si vraiment Yaoundé respire encore bien. Ah bon? Mais comment ça? C'est comme si Yaoundé ne respire plus. Non, attends. On va appeler ceux qui ont la ligne directe du chef de l'État pour avoir l'information juste. Sachez que nous qui avons la ligne directe du chef de l'État. Non, mon grand, une minute. C'est même toi qu'on cherchait depuis comme ça. Il est très milliardaire. Il t'écoute. Vous qui avez le numéro du chef de l'État, là, en l'appelant en direct, ça a ses effets. Par exemple, appelez le chef de l'État pour lui dire que quand on voulait augmenter le prix du carburant, les tassiments n'ont rien dit. Mais maintenant, comme on a augmenté, il plaide plutôt pour qu'on augmente le prix du taxi. Oh, tassiment, tu as compris? Tu connais combien il y a à travers depuis le matin? Ou combien les gens, les gens vont me rendre mon fou, les gars. Non, Darcyman, ne deviens pas fou, mon frère, s'il te plaît. On veut appeler le chef de l'État. Appelez le chef de l'État pour lui dire que nous étouffons, on suffoque. Vous qui avez le numéro du chef de l'État, là, appelez pour dire que ça ne va pas. Que les plateaux techniques dans nos hôpitaux, que nos hôpitaux n'ont pas de plateau technique. Appelez le chef de l'État pour lui dire que la faculté de médecine au Cameroun est la faculté la plus boycottée par les élèves, alors qu'à la longue, on va les remettre la vie des Camerounais. Hey, mon ami, n'exagère pas aussi. Hein. Est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu es en train de raconter? Appelez le chef de l'État pour lui dire que la diaspora souffre à cause de la manque de double nationalité. Appelez le chef de l'État pour lui dire que les procédures administratives dans le pays traînent. Tu achètes ton titre foncier, tu es obligé d'attendre 15 ans pour avoir tu achètes ton terrain, tu es obligé d'attendre 15 ans pour avoir le titre foncier. Yeah. N'oubliez pas d'appeler le chef de l'État tous les jours, chaque instant, parce qu'il y aura toujours à lui dire. Oh, ça va? On a compris, non? On a compris, papa. Qui d'autre veut qu'on appelle le chef de l'État? Je comprends rien. C'est du engage. Je vous avais dit dernièrement qu'au Cameroun, on ne vit plus. Ton problème, c'est quoi? On vivote. Mais maintenant, c'est comme si même vivoter là, on ne parvient même plus à vivoter. En vrai? Depuis un moment, c'est comme si Yaoundé est étouffé. Ils ont fallu même tuer. Hey, laisse les gens. Pose donc ton problème rapidement. Vous allez vous rendre compte que trop d'églises. Les églises dépassent déjà les écoles. Les églises dépassent déjà les hôpitaux. Donc ton problème, c'est l'excès d'églises au pays. Les églises dépassent déjà les sociétés. Qu'est-ce que tu comptes donc faire? Soit nous transformons tous en pasteurs ou en prêtres exorcistes. Seigneur. Ou de deux, nous transformons tous en marabouts pour chercher à délivrer le pays. Je vous assure. Aïe! Hein? Non, ne t'inquiète pas, on va rendre compte au chef de l'État. Et monsieur, quel est ton souci? Vraiment, ce pays vraiment nous déçoit. Comment ça? Faudrait que vraiment qu'on vende ce pays pour nous partager l'argent. Et maman? L'anzout. Vraiment, ces anciennes fesses. Avec tes noyaux qui sortent de ton pantalon. Espèce de caca de porc. Bon, ça va? On a compris, non? Parce que vraiment, ce n'est pas normal. D'accord, on va également proposer ça au chef de l'État. Et toi, le père, tu veux quoi? C'est le vol qui nous intéresse. Il faut manger, boire, aimer les femmes. Allez dire. Ça, c'est clair. Si la vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau. Et clique sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Et si tu es ancien sur la page, n'oublie pas de partager pour m'encourager. C'est de ça qu'il s'agit.
Ciao. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.